Les frères et sœurs qui étaient enfants le matin ont 10 ans de plus à midi. Leur mère a dû les emmener chez le médecin. En conséquence, un groupe de personnes est entré dans la grotte et a sombré dans le noir. Lorsqu'elles se sont réveillées, elles étaient allongées sur la plage. À ce moment-là, tout le monde a également été témoin d'un phénomène étrange. Le cadavre de la femme qui venait de mourir depuis une demi-heure s'est avéré être des os blancs. Et la fille qui était un enfant il y a une heure s'est avérée être enceinte. À ce moment-là, David, pour vérifier ses propres soupçons, a coupé avec un couteau le visage de l'homme qui se trouvait à côté de lui. La foule pense que David est fou, mais miraculeusement, la blessure de l'homme guérit en quelques secondes. C'est à ce moment qu'ils réalisèrent que cette plage pouvait accélérer le passage du temps et qu'à ce rythme, ils allaient mourir de vieillesse ici. À ce moment-là, un homme a pensé que, puisqu'il ne pouvait pas sortir par la sortie, il allait nager dans la mer. Mais son corps a rapidement dérivé avec les vagues, de sorte qu'il ne pouvait plus sortir que par le haut des falaises. Une jeune fille a escaladé la falaise malgré tout le monde. Mais au moment où elle allait sortir, elle s'est soudain arrêtée et est tombée tout en bas. Tous les moyens ont échoué. Peuvent-ils s'échapper ?